Nous retrouvons Aymeric Chauprade dans l'un des hémicycles du Parlement. Ça va ? Je te laisse ta place. Ah oui, c'est parce que tu... Non, mais reste. Non. Je viens de répondre à Canal+, c'est insupportable. Mais moi, je comprends rien. Celui qui lui parle est un autre parlementaire FN, lui aussi russophile. Il revient justement de Moscou et il a de mauvaises nouvelles. Hein ? Bien. Méfie-toi de Malofiev. Il a une perquisition. Mais bon, tu sais, ils sont tous un peu comme ça. Oui, je suis d'accord. Je te dis quand même, sois clair. Il a foutu un des amis dans la merde complète. Profil de l'église, parce qu'il a fait confiance. Un Français ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ? Il a hérité d'un certain nombre de ses affaires qui étaient complètement mafieuses. Il risque sa vie maintenant. C'est pas bon, ça. C'est un coup de mal. De toute façon, je suis prudent, t'inquiète pas. Constantin Malofeyev, un pourri, un mafieux, selon ce collègue d'Aymeric Chauprade. Et à l'entendre, les émissaires de Vladimir Poutine n'ont qu'une idée: manipuler la patronne du front. Mais faut prendre tout le monde, parce que les autres aussi, les autres qui sont très proches, ils veulent la phagocyter. Alors comme elle ne sait pas qui est qui, c'est facile de phagocyter. Ça, c'est vrai. Phagocyter, d'après le dictionnaire, c'est détruire progressivement quelqu'un en le privant de toute autonomie, en s'en rendant maître de l'intérieur. Pas très rassurant.